Bonjour, nous nous revoilà pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aide à vous garder en forme, à garder le moral et à traverser ce confinement de la meilleure façon possible. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va se décomposer de la façon suivante. On va effectuer un petit échauffement. Ensuite, je vais vous proposer 5 exercices dynamiques de 30 secondes chacun, sans temps de récupération entre les exercices. À l'issue de ces 5 exercices, vous aurez 30 secondes de récupération et je vous proposerai 5 exercices statiques travaillant les mêmes groupes musculaires. Ces 10 exercices composent une série et ce serait bien de répéter un minimum de 3 fois cette série. Voilà, donc on va commencer. Comme d'habitude, vous n'avez pas besoin de matériel particulier, juste éventuellement d'une serviette, un tapis et une bouteille d'eau. Alors, le petit échauffement, je m'éloigne et on commence simplement. On saute pied droit, pied gauche. On transfère du poids du corps à droite, à gauche et on crochette les doigts et rotation des poignets en même temps. On continue encore un petit peu. On saute pied droit, pied gauche. On tourne bien les poignets et on enchaîne pieds joints, corde à sauter. Donc bien sûr, en appartement, on l'imagine, hein, la corde à sauter. Petit saut, on enchaîne, on souffle bien. Encore quelques secondes. Et on relâche, on écarte les pieds et la flexion. Donc on descend, souvenez-vous, on continue toujours le dos droit, juste des petites flexions. On pousse bien les fesses vers l'arrière. On souffle bien, on rentre bien le ventre. On continue. 3, 2, 1. On reste en haut. Mains sur les épaules et rotation. Donc là, toujours les jambes fléchies. Le bassin vers l'avant. On ramène bien les coudes vers l'arrière. Puis on va dans l'autre sens. Donc toujours les jambes bien fléchies. Hein. Rentrez bien le ventre. On continue. Et on relâche, bras le long du corps, on enchaîne juste la nuque, en haut, en bas, en haut, en bas, en fixant bien les épaules, vers le bas et vers l'arrière. Et on relâche. Alors, on commence notre première série, premier exercice de 30 secondes, jumping jack. Donc je monte bien les bras, je descends, donc moi je fais juste une démonstration, hein, ça ne va pas durer 30 secondes. Mais je monte bien les bras au-dessus de la tête, je descends les coudes le long du corps. C'est notre premier exercice. Vous soufflez bien entendu. Deuxième exercice, on part en squat sauté. Je fléchis et je monte. Je fléchis, je monte. Fléchis, monte. Si je me mets de profil, hein, donc 30 secondes de cet exercice, je pousse bien les fesses vers l'arrière, j'ai le dos bien droit, je garde les talons en contact avec le sol et je saute. Donc ça, c'était notre deuxième. Le troisième, burpee. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Alors, burpee, je saute. Je pose les mains au sol, j'allonge, je reviens et je saute. Version un petit peu plus difficile. Je saute, main au sol. Je fléchis les bras pour une pompe. Je reviens et je saute. Version plus facile. Je saute toujours, main au sol. J'allonge une jambe, j'allonge l'autre. Je reviens. Et je saute. Donc ça, ce sont les burpees. Pendant 30 secondes, j'enchaîne. Hein. Donc moi, je vous ai juste fait la démonstration de chaque niveau à chaque fois. Mais vous, vous enchaînez. Quatrième exercice, je suis au sol. Donc ça, c'est un petit peu plus du renforcement musculaire. On appuie sur les genoux et je descends en pompe. On contracte bien les fessiers. On rentre le ventre. On regarde vers l'avant. Et on descend. Si c'est un petit peu dur, vous diminuez l'amplitude, mais vous continuez pendant 30 secondes. Si c'est facile, vous passez sur les pieds et pareil, on descend, on monte, on descend, on monte. Un peu plus dur pour moi, on descend, on monte. Alors, l'idée aux pompes, hein, vraiment, c'est de prendre un rythme et d'essayer de le garder jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de commencer super rapidement et ensuite je ne peux pas tenir les 30 secondes. Prenez un rythme et vous le gardez. Dernière chose, une erreur commune, communément faite, on va dire, quand vous faites des pompes, c'est que vous gardez les fesses au-dessus des genoux. Ça, ici, là, je peux en faire 200, je peux partir pour une heure. Donc, c'est pas bon,
On avance bien les mains, on est en position de gainage, on descend le bassin. Je ne suis pas en train de creuser non plus, hein. Je descends juste le bassin. Vous voyez que mon bassin n'est pas aligné avec mes genoux. Et là, je peux descendre. Ok ? Donc faites attention à ça. Enfin, notre cinquième exercice, je passe sur le dos. Je suis allongée sur le dos, jambes à la verticale, ventre rentré, main derrière la tête, les coudes sont bien ouverts et on monte. Tout petit mouvement, toute petite amplitude pendant 30 secondes. Soufflez bien et on enchaîne. On monte, on monte, on monte. Tout petit, encore une fois, hein, le menton est décollé. J'ai ma veste, c'est pas très chaud, mais ça se voit peut-être pas très bien. Mais on monte, tout petit mouvement, je rentre le ventre. On a fait nos 5 exercices là. Donc exercice quand même dynamique. Là, on a 30 secondes de pause. Ensuite, on enchaîne 5 exercices, comme je vous disais, qui travaillent les mêmes groupes musculaires. Donc, souvenez-vous, le premier, c'était jumping jack tout à l'heure. Là, si je me mets de profil, j'écarte les pieds, largeur du bassin, je rentre le ventre, je fléchis, je descends, les cuisses sont parallèles au sol, les genoux à peu près au-dessus des talons, et je reste pendant 30 secondes. Un repère pour vous, pour savoir si vous êtes bien placé, c'est quand vous ramenez les mains justement vers l'arrière, comme ça, vous devez basculer vers l'arrière. Si j'ai les genoux vers l'avant, j'ai beau ramener les mains vers l'arrière, hein, je ne bascule pas. Donc bien les fesses à l'arrière, on est parti pour 30 secondes. Ensuite, les 30 secondes suivantes, je ne sais pas où je vais vous les montrer, contre ça, la chaise. Bon, vous connaissez probablement la chaise, pied écarté, largeur du bassin. Je fléchis, il y a un mur hein, normalement pour vous, j'espère. Je fléchis, j'ai les épaules le long du mur, bras le long du mur. Tête collée au mur, je ne suis pas penchée vers l'avant, je ne mets pas les mains sur les cuisses, je reste comme ça 30 secondes. Okay? On remonte, je suis accrochée. Le troisième exercice, on a fait tout à l'heure des burpees, donc la version statique que nous on va choisir, ça va être du gainage. Donc le gainage, pour ceux et celles qui ont suivi mes vidéos précédentes, vous connaissez, mais je rappelle donc du coup les consignes pour tout le monde et pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos. On rentre le ventre, donc là j'ai vraiment le ventre rentré, c'est-à-dire que je ramène le nombril vers la colonne pour travailler le muscle transverse. J'aligne les épaules et les coudes et je ne monte pas les fesses, je ne creuse pas le bas du dos. Donc on reste comme ça et on pense à bien souffler. Ok, donc ça c'est pour le gainage. Pour notre quatrième exercice, oh, je reste ici, on était en position de pompe tout à l'heure. Je reste en appui sur les mains et sur les genoux. Et là, je descends et je reste de façon statique. Donc toujours pareil, ventre rentré, je regarde vers l'avant. J'ai les bras fléchis, le poids du corps vers l'avant et je reste. Si vraiment c'est un peu dur, soit vous allez un petit peu moins en amplitude, moins loin, soit vous reculez un peu les fesses et vous descendez. Auquel cas, comme le poids du corps est un petit peu plus vers l'arrière, c'est plus simple pour vos bras. Et dernier mouvement pour les abdos, ça va être un mouvement semi-statique, semi-dynamique, c'est-à-dire que je suis en position et je bascule, et je reste, et je roule vers l'arrière, et je reste. D'accord ? Je rentre le ventre, je me grandis, et je reste. Dos plat, on regarde vers l'avant, et on roule. Donc là, je vous ai fait la démonstration un petit peu au ralenti. Mais l'idée, c'est de rester en statique, de rouler vers l'arrière. Je garde toujours l'angle, hein, je ne suis pas en train de tendre mes jambes vers l'arrière. Et là, je reste. Je trouve la position d'équilibre. Je roule. Et je reviens, je reste. Voilà. Donc là, on a fait nos 10 exercices. 5 plutôt dynamiques, 5 plutôt statiques. Et donc là, vous avez une série que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, un minimum 2-3 fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si toutefois les 30 secondes c'est un petit peu long parce que le début c'est un petit peu dynamique, diminuez à 20-25 secondes si c'est plus simple pour vous en rajoutant 5 secondes de récupération. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, bon courage et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.